Eh bien, salut à tous, bande de gamers, et on se retrouve donc pour la suite de FIFA 16, donc pour notre Coupe Euro 2016. Et donc, cette fois-ci, ça y est, on commence à arriver en milieu de la Coupe. De la Coupe. Parce que là, comme vous voyez, on est au tournoi. Et donc, l'Espagne va affronter l'Autriche, voilà. Donc on va y voir les équipes qui sont passées d'ailleurs justement. L'Espagne, l'Autriche, la Belgique. Ok. Voilà. Du coup ça dérègle un petit peu l'euro parce que forcément l'euro ça sera pas pareil. Je voulais que ça se rapproche au maximum de l'euro mais bon c'est pas grave. Hein. Voyons voir au niveau des tableaux. Donc France avec 9 points, Suisse avec 2 points et l'Égypte à la fin s'est fait éliminer à la fin. L'Angleterre et la Russie. L'Allemagne et la Pologne. Espagne, Turquie. Belgique, Italie. Portugal, Autriche. Finlande, Danemark. Pays-Bas, Côte d'Ivoire. Ok. Et bien c'est parti, on va jouer le match. Et là, en semi-pro, quelque chose me dit que ça va être d'enfer. On va s'en souvenir ce match. Donc là maintenant, autant vous dire que ça y est, on est dans la cour des grands. Et si on perd un seul match, on est éliminé du championnat. Donc autant vous dire que ce sera pas facile. Donc on verra bien ce que ça donne. Bonjour et donc c'est parti pour le match. Nous avons rendez-vous avec un match de coupe. Installez-vous confortablement, vous allez vous régaler. De la composition de l'équipe locale. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on retrouve dans cette formation. Je laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Les joueurs qui sont alignés en 4-5-1 pour ce match. Il y a de la pression, hein. Je vous le dis honnêtement, moi je sens un petit peu la pression déjà. Pas mieux parce que là, la défense adverse, c'est ce qu'il lui reste à faire. Quel mythe. Ok, et c'est parti. Du foot en Europe et 81 000 places disponibles. C'est évidemment un stade classé dans la catégorie 4 par les instances européennes du football. Merde, je commence mal à faire mes passes et c'est pas bon du tout. Gartlinger, Ibrahimovic. Ouais, la passe est mal ajustée et il récupère un ballon facile. Ok, tant mieux pour nous. Alors, ok. On a fait. Eh merde. Ah non, c'est quoi? Oh putain, c'est. Et oui, j'ai cru que j'étais l'autre joueur, donc du coup j'ai appuyé sur A et donc forcément. Les petites erreurs comme ça, vous voyez, c'est ça qu'il faut que j'évite absolument, sinon c'est ça qui va nous coûter cher. On va essayer de se concentrer et de marquer le plus vite possible, histoire de se rassurer un petit peu. Allez. Lui il m'énerve, je vais le déconnecter. Faut que j'essaye d'enlever les. Les notifications parce que franchement c'est ça m'énerve ce truc-là. Sur cette interception. Ok.
Ok, vas-y, 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 on avance. Je tente le centre. Je vais tenter le. Ouais, ça peut être dangereux. Putain. C'est une touche là pour l'Espagne. Andrés Iniesta. Vas-y, on tente le centre maintenant. Non, ça n'ira pas plus loin. Ballon dégagé. Baumgartlinger, attaque intelligente, très réussie, il récupère le ballon, monopolise le ballon magnifiquement, attention à ce centre. Allez, 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 allez. Faut qu'on rattaque là maintenant. Mais putain! Baumgartlinger. Martin Arnik. Sébastien Prodel. Martin Arnik. Allez, on y croit, on va y arriver. La surface. J'aurais mis en touche. Buzovic. 8-2. Subtiliser le ballon. Ok, ok, c'est maintenant, il faut se concentrer. Les Espagnols, ça peut être dangereux. L'autre chose, la frappe. Non, ce n'est pas cadré. J'avais une occasion, j'ai chié. Allez, on y croit. Désolé, je suis un peu plus silencieux que d'habitude. Là. Je suis plus concentré. Arrête, lâche-moi la main là. C'est... Oh oui. On l'a mis. Je l'ai fait solo, je l'ai fait perso. Mais il y est. On se fait une petite assurance pour l'instant. On se fait une petite assurance. C'est complètement sur place et après la finition est probablement plus un très joli but. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Ça y est Franck, on le tient ce but qui pourrait peut-être lancer le match. Ouais, c'est ce qui manquait en fait. Ça va obliger une équipe à prendre plus de risques. À se découvrir un peu, espérant que ne soit pas déçu. Sébastien Prodel. Il est le Kevin Blumer. Regardez-moi cette succession de passes. Allez, il faudra que tu connaisses cette balle là. Arnautovic. C'est bon, allez on y va. Allez, on s'assure, la victoire, on s'assure la victoire. Isco a pris tout en finesse. Victoire assurée à la fin de la première mi-temps. On souffle un peu. Surtout qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse frappe de balle pour marquer. Un bon tir en finesse et c'est au fond. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. J'ai cru voir les cages se lever. Ah ouais. Et ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Voilà, ils vont regagner les vestiaires avec ce petit avantage de 2 buts.
Voilà, comme je vous disais, fin de la première mi-temps, pile poil. Une élimination directe qui tient vraiment toutes ses promesses, Franck. Ben oui, ils savent que pour le moment, ils tiennent leur qualification. Il était important pour eux de parvenir à la pause avec cette avance, à eux de la conserver. Ouais, à nous de la conserver. Ah, l'Italie est en train de se faire éliminer, dommage. Angleterre, Turquie est en train de partir aussi. Belgique, Russie est en train de partir. Ouh, Finlande, Pologne, c'est un peu plus serré quand même. France, Danemark, la Danemark est en train de se faire éliminer. Pays-Bas, Suisse. Oh, la Pays-Bas est en train de se faire éliminer par la Suisse. Son équipe a besoin d'afficher. Ok, on est parti. Et c'est pour ça qu'il demande ce changement. C'est donc l'Autriche qui lance cette deuxième période. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Allez, c'est parti, on y croit. On est go. On va se faire un petit 3-0. Comme on dit la musique. Et 1, et 2, et 3-0. Va me faire chier longtemps, toi. Vas-y, rattrape la balle, rattrape la balle. Corner, je crois. Vos impressions, Franck, sur les 45 ouais, nickel. Minutes de jeu là. C'est bien ce qu'il fait dans cette première ouais, période. Ouais. On l'a vu buteur, et ça, c'est toujours bon pour la confiance. Allez, on passe en corner, c'est parti. Comme on dit, on y croit. Et 1, et 2, et. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. J'ai fait un centre de merde. Iniesta. C'est dégagé. Ouais, ça peut être dangereux. On met la main en touche, c'est bon, c'est toujours pour nous. Pour l'instant, ça va, on gère, ça va. Ça donne de l'air et ça soulage. Marc Janko. Ils avaient bien fait. Ouais, c'est bon, récupéré. Finalement, ils perdent le ballon. Oh oui, ça chauffe. Busquets. Ah, on sent que c'est. Oh. Un but de plus dans ce match. Ils ne vont pas. On a chié le 3-0. On a chié le 3-0. Baumgartlinger, Florian Klein. C'est bon, on a récupéré la balle, on y croit, on va y arriver. Et j'ai fait de la merde. Putain que j'ai fait de la merde. Mais alors putain que j'ai fait de la merde. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré la balle, mais je refais de la merde. Ça se voit que je suis un noob dans FIFA. Okay. Je suis un vrai noob, ça a abusé. Un professionnel là de FIFA, un gars qui joue à FIFA, il aurait déjà marqué 5-0 là. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Même peut-être 10-0 déjà. Merde. Kevin Zimmer, oh là là, ils auraient pu ouvrir le score déjà. C'est quoi toi, tu veux Silva. Pas ouvrir le score, je veux dire de leur côté quoi. Parce que le score est déjà ouvert par l'Espagne. Sébastien Prodel. Allez, on y croit, c'est parti. Diego Costa. Mais t'as voulu me piquer la balle, même pas, arrête toi. Vas-y, vas-y, petit centre, micro-centre. Et la voilà la frappe. Oh là là, j'ai buté 40 pigeons. Le centre défensif est du
C'est bon, t'inquiète pas. L'arrêt du gardien au ralenti, bien sur ses appuis, hein, au départ du ballon. Arnautovic. Milosevic. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Martin Arnik, elle dégage du coin. Allez, allez, c'est parti, on y croit. Le 3-0, il va se faire maintenant. Plus que le gardien éliminé. Oh là, il est un petit peu hors jeu, il est un petit peu hors jeu. Ça va être hors jeu. Hors jeu. Ah ouais, bien hors jeu. La 35e minute du match. Allez. Voilà. Il a fait un changement. Et nous, c'est parti, on y va. Allez, vite avant qu'ils soient mis en hors-jeu. C'est bon. Oh, c'est bon. Oh, je le sens, le 3-0 là. Le 3-0, il est là. Iniesta, oh. Au poteau et le ballon qui revient en jeu. Et le drapeau qui se lève. Honte à moi. Honte à moi, je me cache. Je me cache. En plus, j'étais en hors-jeu en plus. La 88e minute. Peut-être que c'est possible toujours de marquer un troisième, hein, encore. 2 minutes de temps additionnel. Ça risque d'être peut-être un peu trop sérieux. Peut-être qu'ils vont faire leur dernière action et ça va siffler. On va plus défendre notre coin. Ouais, c'est bon, balle récupérée, mais balle reperdue. Balle récupérée à nouveau. Et voilà. Fin de match. C'est bon, on a tenu et on a gagné. Alors, je sais pas si c'était les 8e de finale, si c'était les quarts de finale. Non, c'est bon, il vient de le dire, j'ai entendu. On passe au quart de finale. C'était un bon match. Au début, on a eu un peu de pression, mais ça a vite pris l'avantage sur notre côté. Et puis voilà quoi. Rien à dire d'autre. Je sais pas si vous avez dire quelque chose. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter. Et puis abonnez-vous pour voir la suite. Ciao, ciao. Et passez une bonne soirée.